You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses, foolishness about it lying in the middle of the city of the dead, buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument luring treasure hunters to their doom. The world's most famous stars and entertainers were invited to its grand opening. An invitation was a sign of exclusiveness. The opening was supposed to symbolize a road to a brighter future, not just for the world, but for all who came to its doors. A chance for anyone to begin again. Except, the Sierra Madre never opened. The war froze it in time, like a big flashbulb going off. The grand opening, one big ending of humanity. It's still out there, in the wastes, preserved, just waiting for someone to crack it open. But getting to it, that's not the hard part. It's letting go. Quand même un truc qui me chiffonne, Clarisca. Je parais que t'étais pas au courant qu'il y avait des gens qui poussaient dans le désert. Affirmatif. D'après mes calculs, les probabilités d'arriver à terminer cette aventure sont de 1 sur 3720. Tant que ça, c'est plutôt mince. Anorexique, capitaine. Mais elle est passée où, cette Sierra Madre ? C'est comme si... elle avait jamais existé. Affirmatif, capitaine. Attends voir. Il faut quelque chose là-bas, regarde. Ah, j'y vois rien avec cette pluie. Tu peux faire ton truc, Clarisca, tu sais. Ah oui, c'est mieux. Je vois des habitations. Il y a de la vie là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est pas du tout à ce quoi je m'attendais. Ramène-toi, on va y jeter un œil. Bienvenue, cher Vaporis, pour ce nouvel épisode de C'était Demain, perdu dans la jungle. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une cellule d'énergie atomique, une énergie non polluante. Ouais, je sais, une énergie non polluante et inoffensive pour nos enfants. Merci, Clarisca, j'ai déjà vu l'émission à la télé. Et si on essaie de brancher ce truc-là dans le socle en face de nous ? Qui ne tente rien, n'a rien.
Mais où est-ce que je suis? Clarishka, t'es là? Affirmatif. Ouf. Clarishka, où est-ce qu'on est? Il s'agit de l'intérieur d'un vaisseau spatial à l'esthétique rétro-futuriste pour notre plus grand plaisir. Ah, t'es comme ça, toi. Et à quoi peut bien servir ce zeppelin des étoiles? D'après les banques de données analytiques, cet engin n'est répertorié nulle part dans cette époque. Il s'agit certainement d'un bug mécanique quantique. Ouais, bah en tout cas, on est mal barré. Faut qu'on trouve le moyen de sortir. Je vois une console là-bas. Allons voir. Une manivelle. Bienvenue dans votre nouveau simulateur d'Escape Game Uchronique. Hein? Qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? Une sortie. Allons-y. C'était demain, épisode 12. Bienvenue dans l'ascenseur. Logique. Ah. De plus en plus étrange. Quel est donc ce mystère? Et vous, qui êtes-vous? Où est-ce que vous êtes? Laissez-moi sortir de cette jungle et de ce vaisseau! Ce n'est pas une jungle, c'est un escape room. Et pour en sortir, une seule issue. Déjouer les pièges et percer les mystères qui vous permettront de vous évader. C'est bien ma veine. Affirmatif. Il ne manquait plus que ça. Around here and didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep. For the stranger there among them had a bigger run on his head. Bigger run on his head. Bigger run on his head. Oh, he might have went on living, but he made one fatal sleep. When he tried to match the ranger with the bigger one on his knee. N'avez-vous jamais pensé à changer d'air et de vivre des aventures palpitantes dans des univers extraordinaires? Alors suivez-moi. Et venez participer à notre grand jeu de la toute nouvelle station balnéaire Sierra Madre, No Time, No Game, No Escape. Le jeu dont vous êtes le héros.